Ah là là, allez, dépêche-toi, va. Allez, parti pour un nouvel impensable. Jérôme se met en place, on va respecter les distances de sécurité. De 50 cm. De 50 cm. Alors, regarde bien, Jérôme, petit impensable, la suite, on va voir si ça va leur plaire, si ça va te plaire. Déjà, si ça ne te plaît pas, si j'ai les guidons, on l'enlève, hein. On ne le met même pas. Alors, on y va. C'est parti. Alors, Jérôme, écoute-moi bien. Tu vas prendre une petite partie du jeu. Tu vas le mélanger. Déjà, ça commence bien. Ça veut dire que tu peux... Je vais ? Ouais, mélange, ah. mélange. Ok. Donc, une fois dans ta tête, c'est bien mélangé, que... Hop ! C'est bien mélangé. Tu coupes une petite partie de 10 cartes et tu mets les cartes dedans et tu refermes. Ok. Tu retournes le jeu. Ok. Tu prends une partie, tu mélanges. Hop ! Tu soulèves, tu ranges le jeu dedans et tu refermes. Et là, on ne pourra pas dire que le jeu n'est pas bien mélangé. Ouais, par au milieu. Ah bah alors si tu me demandes... Si tu joues sur les mots. Alors vas-y, tu prends le jeu et tu fais un petit mélange à l'américaine. On est bon ? Ah, on est bon. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à l'intérieur, j'ai mis une carte. Avec un post-it. La carte, on s'en fout, c'est juste qu'il fallait que je la pose que sur une carte au hasard. J'ai mis un post-it dessus, et sur ce post-it, j'ai mis un chiffre. Okay. Je ne vais pas te le montrer à toi, je vais le montrer à la caméra pour pas qu'il y ait d'embrouille. On ne pas. Hop. D'accord ? Ça, c'est juste une preuve, ça servira pas pour le tour. C'est juste pour vous. Et cette carte, étant donné que tu as mélangé, elle est montée, elle est descendue, elle s'est placée dans la position que tu as voulu. Ah là, je suis d'accord. Alors, là, j'ai vu ça. Il faut pas, je ne sais pas pourquoi. Tu retournes le jeu, et cette fois-ci, tu vas couper soit une petite partie, soit une grosse partie, ou soit ce que tu veux, mais pour positionner vraiment la carte où tu veux. Comme ça, c'est le hasard. Voilà, je ne veux pas voir la carte du dessus, pour pas qu'on dise, je prends des infos en fonction de ce que je vois, je dis. Ok, c'est bon. C'est bon ? Je vais me retourner, je vais prendre le jeu en main, et je vais chercher cette carte pour la montrer à tout le monde, sauf à toi, parce qu'il y a un chiffre dessus. D'accord. Donc, j'annonce déjà ce que je vais faire. C'est okay. Bon ? Voilà. On y va, c'est parti ? Pas d'embrouille, pour l'instant ? C'est non. Honnête ? Honnête. Alors j'y vais. On regarde que je ne déplace pas les cartes, que je les laisse bien dans l'ordre que tu me les as imposées. Elle est là. Regarde que je ne change pas ici. Et ça, je vais le montrer à tout le monde. Je regarde pas. Regarde pas. Hop. Ok. Je la remets à sa place. Donc, j'ai vraiment pas à tricher. Et je remets ça ici. Pas d'embrouille. Donc, cette carte, elle s'est positionnée à l'emplacement que tu as voulu. Les gens ont vu le chiffre. Ils savent sur quelle carte elle est. Il n'y aura pas eu d'embrouille à la fin. Maintenant, tu vas... C'est pour ça que je ne t'ai pas montré le chiffre, parce que tu vas compter un nombre que tu as envie. Pour ne pas t'influencer, je ne t'ai pas montré le mien. Donc, j'espère que ce n'est pas le même, ou on s'en fout, c'est le hasard. Tu prends le jeu, tu comptes les cartes, et tu t'arrêtes où tu veux. Mais vraiment, où tu veux. Pas une petite, ou beaucoup, ou moins. Comme tu veux. Ok. C'est honnête, là, tout ça. Honnête. Honnête. J'aime bien quand c'est honnête. Je ne supporte pas ces magiciens qui font des petites embrouilles, là. Ouais. Tu veux t'arrêter, on dirait, tu veux continuer, tu hésites, j'ai l'impression que tu hésites. C'est bon ? Tu as deux tas, un tas où tu as compté et un tas où tu n'as pas compté. Ouais. Tu choisis la carte que tu veux. Celle de le tas où tu as compté ou celle de tas où tu n'as pas compté, celle du dessus, tu prends. C'est dur ou quoi ? Non. Tu es en train de réfléchir autour ? Ouais. Je peux compter un nombre de cartes de plus ? Tu peux même regarder comme un ami et en rajouter, c'est le hasard, ça, on s'en fout ça. Ouais, en fait, je me rappelle plus. Attends. C'est pas important. Ton chiffre n'est pas important en tout cas. C'est juste pour savoir d'accord, si. D'accord, ok. Allez. Voilà, moi je suis sûr. T'as l'ami, c'est bon ? Ah oui, beaucoup plus. Et je sais où je veux prendre ma carte. Voilà, ben, voilà. Vas-y. C'est... Voilà, c'est ça. Ok. Tu l'as pris où t'as compté là, c'est oui. Ça ? Oui. Remets-le à sa place et tu refermes. Je montre la caméra ? Ouais. Ok. C'est pas important, tu la mets, tu la fermes. Ok. T'as fermé par-dessus ? Non. Voilà.
Ok. Là, on est honnête. Tu peux même, si tu veux, faire encore une petite coupe, petit ou gros, comme ça, je sais pas. Allez. Pour qu'elle se positionne où elle veut. Là, on ne peut pas faire mieux pour choisir une carte. Et en plus, ma carte à moi, c'est toi qui l'as positionnée. Donc là, pas d'embrouille. Je suis d'accord. Maintenant, il va falloir faire quelque chose, c'est retrouver ta carte. Puis d'abord, on va retrouver la mienne. On va voir où elle est. On regarde bien qu'il n'y a pas d'embrouille. Tu peux même me regarder. Hein. Je cherche ma carte. Où il y a le post-it. T'as vu que je change pas l'ordre. Hein. Ah ouais, pas de souci. Ah. Je sais même pas s'il est normal ce jeu. J'ai pris un jeu qui traînait. Ah, c'est le hasard. C'est là? Ok? Ben, je suppose que c'est là, puisque c'est la seule carte qui est impossible. Donc toi, je te le montre maintenant. 14, c'est vrai, c'était juste une preuve. Ça va, alors il n'y a pas de souci. On ne va pas faire des additions avec celle-là. C'est le chiffre que j'avais choisi, 14, sur le 4 de pique. Le 4, on s'en fout, on l'avait d'ailleurs aussi. Et toi, tu as choisi un chiffre. Mmh. Par hasard, c'est quel chiffre? Maintenant, je me rappelle. C'est quoi? C'était 20. T'as vu que c'est pas pareil, il n'y a aucune embrouille. Ok? Alors, regarde ce qu'on va faire. Si tu veux, on compte 14 et on tombe sur ta carte et c'est un miracle. Pas mal. Mmh. Si tu veux, on peut prendre ton chiffre et mon chiffre, on les additionne, on compte. Ceux qui ont réfléchi ne tombent plus au même endroit et on tombe sur ta carte. Ma carte, sur ta carte. C'est sûr. C'est sûr que là... Donc ma carte est en double alors. Non, ou alors c'est un miracle. Ou alors c'est un miracle. Ou alors c'est un vrai tour de magie qui tue ça. C'est vrai. C'est toi qui choisis, on fait quoi? Ben, 14, on va compter que 14. C'est toi qui vois. Mais moi j'ai pas le droit de toucher. Pour moi, on va croire que je manipule. C'est vrai. Et je ne sais pas manipuler. Alors, vas-y, tiens. 14, tu poses ta carte et c'est ta carte. C'est pas beau, ça? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu peux regarder les autres cartes parce que, au fait, tu n'as pas regardé le jeu. C'est vrai. Ouais. Tu peux lui retourner d'un seul coup, ça ira plus vite parce qu'on ne va pas dormir là. Ils ont envie de voir si c'est vraiment ta carte. Ben si je peux y retourner. Ouais. Tu sais comment je suis, moi. Tout est permis. Alors, est-ce qu'il y a deux fois ma carte? Déjà, il n'y a pas. Déjà, il n'y a pas deux fois. Des post-it, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est ça que je voulais voir, en fait. Il cherche. C'est le truc le plus... Voilà, allez, je le fais vite. Ouais, parce que... Ben, tu pourras avoir deux fois des chiffres au même endroit, ou enfin, des endroits différents. Ouais, alors, donc deux 4 de pique, parce qu'ils ont vu que c'était un 4 de pique. Mais bon, il n'y en a pas eu deux. Non, mais... C'est vrai qu'ils ont vu que c'était un 4 de pique. Ouais, donc ça sert à rien que je cherche. Il n'y en avait qu'un. Ouais, mais en plus, il n'y en a qu'un. Un post-it, un 4 de pique, oui, une carte choisie, à un emplacement que tu as choisi si toi. Si tu me le demandes, c'est qu'effectivement... Carte noire. Bah, j'ai vu que c'était ma carte, ça devait être celle-là. Hein. C'était quoi? Le 6 de pique. Ben voilà. Joli. C'est ça qui est fou. Parce que même si tu réfléchis, que tu te comptes dans un sens ou dans l'autre, tu ne peux pas tomber sur le 6 de pique. C'est pas faux. C'est vrai, maman. C'est pas faux, mais c'est vrai. C'est pas faux, c'est pour... C'est pour ça. Je me dis, moi, est-ce qu'il y en a deux? Non, non. C'est pas... Non, mais c'est... Il n'y a qu'une carte choisie, qu'une carte de pique. Ça, c'est la preuve. C'est que l'épreuve, ça. Tu me refais compter dans l'autre sens. Ça ne tombait pas sur le même. On ne peut pas, c'est comme ça. C'est mathématique, ça ne peut pas tomber. Après, peut-être j'ai bluffé. Hein. C'est bien. Mais il n'y a que ceux qui vont l'acheter qui sauront. Bon allez, on y va. Alors, on va faire, avant de faire l'explication, je vais faire un petit coucou à David, parce que comme on est confiné, on s'envoie des tours. Tiens, je te fais un tour, moi je t'en fais un. Et son tour, quand je l'ai regardé, j'ai eu paf, comme ça, tu sais. Et je me suis dit... Ah, mais c'est pour ça que c'est bien. C'est parce que c'est le tour de David. Voilà. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, il y en a plein qui vont faire comme moi, paf, c'est bien, et qui vont pas trouver. Et il y en a d'autres qui vont chercher un peu, qui vont trouver. Donc je me suis dit, je vais essayer de lui mettre ma petite touche. Parce que chacun prend un tour et le fait à sa sauce, comme chacun dit les paroles qu'il veut, donc moi j'ai voulu faire la mienne, et je me suis dit peut-être que ça va bluffer David, comme ça ben, au moins il pourra acheter mon tour, puisque c'est plus le sien. Non, je rigole, mais pour dire, je mets toujours ma petite patte, et peut-être que ça lui a plu, peut-être que ça vous a plu, de toute façon nous on continuera à faire des choses comme ça, parce qu'on aime bien, hein, c'est notre passion. Donc voilà, si ça vous plaît, alors déjà si ça vous plaît, mettez des j'aime, parce qu'en fonction de gens qui regardent la vidéo et des nombres de j'aime,
Ben, c'est presque vexant, on se dit, il y en a tant qu'on regardait, il n'y a qu'une dizaine de gemmes, donc ça fait pas plaisir à son ego. Après, vous faites comme vous voulez, mais mettez des gemmes si ça vous plaît, mettez des pas gemmes si ça vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, qu'ils appellent directement David. Ouais, hein. Et ça ne vous plaît pas, vous appelez David, hein. Voilà, tout simplement. Et inscrivez-vous, voilà, vous êtes abonné, comme ça, à chaque fois qu'on met une nouveauté, boum, vous avez un petit message et vous le savez. Voilà, de toute façon, nous, on continuera de vous faire plaisir si ça vous plaît. Maintenant, ben, à bientôt. Si on n'est pas mort avant. Non, ça va, on fait attention. Ben, ça fait quand même deux cartes que je choisis sur deux tours différents. Et ça fait deux fois que je tombe sur le 6 de pique. Donc, il en manque plus qu'une et ça fait 666 à pique. C'est vrai que le tour d'avant, t'avais choisi 6 de pique. Donc, bon. Bon, allez, à tout bientôt, merci. Au revoir. Au revoir, soyez forts, soyez raisonnable déjà. Sortez pas sans vous nettoyer les mains. Parce que sachez un truc, c'est que tout ce qui est dehors, c'est du poison. Tout ce que vous allez toucher dehors, c'est du poison. Tant qu'il est là, c'est pas grave. Dès qu'il est là, c'est foutu. Lavez-vous les mains, ne mettez pas les mains à la figure. Faites le mieux, le plus possible. Vous touchez une brique de lait, pensez que c'est un poison. Voilà. Vous touchez la porte du frigo de Carrefour, c'est un poison. Vous touchez le ticket de caisse, c'est un poison. Et les pièces de monnaie, ça tient 3 heures sur la pièce de monnaie. Donc lavez-vous les mains. Ne mettez pas le téléphone à... Ça sonne, et bien de toute façon on est confiné, et quand on sort qu'un petit quart d'heure. Donc attendez un quart d'heure de rentrer à la maison pour laver les mains et nettoyer tout ça. Voilà, ne vous grattez pas le nez, je sais pas quoi vous dire, mais. Ah, c'est. Faites attention, non mais il y en a. Non mais t'as raison, ce que tu dis, c'est vrai. Je l'ai dit à la dame hier, madame, tout ce que vous touchez, oui mais je rentre à la maison, je me lave. Et deux secondes après, elle répond au téléphone. Ça m'a angoissé. Voilà! Merci à tous, à tout bientôt, au revoir.